je suis un moins étreint. C'est un nice job. Je mens. Ma forme est impeccable. Le dégât. Ma forme est impeccable, baby. Oh my god. Parfois, il est utile de temporiser un petit peu dans le gaz. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone France pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous, on continue sans plus tarder avec Trophies, qui s'était retrouvé coincé face à de nombreux joueurs. Ça drille, ça drille. Accroche, shoot de merde. Crac. Il s'est fait tuer par une autre team. Il se réanime. Un qui est au top là où je suis mort. Le pompe ou pas? Il en reste un, hein, fais gaffe. Hein. Là, t'as le droit, toi. Tu peux jouer l'aria si vraiment. Mais joue ton truc. Moi, je vais rester en l'air. T'es un monstre. T'es un monstre, bon, hein. La petite triple à la fin, elle était vraiment magnifique. Du côté de Skyrose, tout se passe bien. Comment ça, ils sont quoi? Paralysante. Paralysante. Ça a été touché. Trop fort, Skyrose. Ouais, voilà. Ouais, mais frérot, j'avais envoyé la double para. Frappe, oh, les mecs, ils étaient perdus quand il est arrivé. Il y a une rate derrière nous là-bas. Il y a du monde là-bas. Tu vois, Marie Compense, c'est quoi maintenant? C'est ma sacoche. Voilà. Ton petit cadeau. Les mecs, je sais pas ce qu'ils foutaient, ils étaient allongés. Je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais Skyros en est très bien occupé. Allez, on va faire un tour du côté du goulag de Caldera avec Apache. C'est l'heure, soldat. Il n'y a rien de plus humiliant que de se manger un truc pareil. Son clip avait été gâché par une erreur de montage dans l'épisode 747. Voici donc le clip de Rida, et vous allez voir qu'il vaut vraiment le coup. What the fuck? Oh! Une balle parfaitement placée. Allez, on va faire un tour en résurgence avec Famas TV, et là aussi, tenez-vous bien. T'as vu ce chien de CP? Y'a des monde qui se fight ici, pour bleu. Vas-y, je suis à toi. Oh la vieille mine. Les gars, j'ai bien le compte de lancer à l'autre bout de la map. Quoi? Voilà pourquoi il faut toujours tenter le couteau de lancer. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour les balles de sniper en fin de game. Finis-le, finis-le, j'ai pas pu le finir. Oh! Une superbe démonstration de comment faire un top 1 en beauté. Le saviez-vous, le mode DMZ est certainement un petit peu plus vieux que ce qu'on pourrait imaginer. Des développeurs de chez Infinity Ward ont confirmé, via une interview accordée aux médias Tesserto, des rumeurs persistantes qui disaient qu'il y avait un prototype fonctionnel de DMZ avant même le début du travail sur la map de Verdansk. À l'origine, dès 2018, Infinity Ward avait, je cite, « ressenti des mouvements et vu des tendances sur le marché des FPS dont il voulait s'appuyer pour Call of Duty » et l'un de ces changements, c'était la popularité croissante de
jeu de survie plus axé sur la tactique, tel que le célèbre Escape from Tarkov, et c'est ainsi que l'idée de DMZ est née dans les studios d'Infinity Ward. Le concept tel qu'il était il y a 5 ans est resté en grande partie intact en comparaison avec le mode de jeu que nous avons aujourd'hui. Geoff Smith, directeur de la conception multijoueur, a ainsi déclaré « Nous pensions que c'était une direction que nous devions prendre, nous avons ressenti ces tendances si tôt, mais nous n'avions pas les moyens nécessaires à l'époque. Vous l'aurez compris, faute de ressources suffisantes, le développement avait été reporté pour se concentrer sur le mode Battle Royale, puisque c'était évidemment le mode de jeu à ne pas manquer. En prenant un petit peu de recul, on peut se dire que ce choix a été le bon, puisque Warzone a eu un succès énorme en mars 2020, notamment avec le confinement, et on n'est pas sûr que ça aurait été la même chose avec DMZ. Et vous, qu'en pensez-vous? Jouez-vous actuellement à DMZ? Dites-nous tout ça dans l'espace des commentaires. Gros Maloc débarque dans les vidéos de Warzone France et vous allez voir que son niveau est vraiment très très lourd. De quoi? Oh, t'es là-bas, toi? Ah, t'es parti sur le mec solo? Non, mais gros. Ah ouais, mais c'est... Ok, j'arrive. Non, tempo. Oh my fucking god, gros, mais qu'est-ce qu'il branle? Ils ont fait les caches. Ah ouais, ils ont fait les caches, ce que je leur ai mis. On attend avec impatience ses prochains clips. Pendant ce temps-là, Skyros prend un petit peu de hauteur sur la situation. Il y avait des mecs à droite aussi, les gars. Ils sortent de l'eau, là. Ouais, il me nique bien, là, là. Qui c'est qui nous a niqué comme ça? Le gars en bas. Okay. Entre les maisons. Ah, ça touche pas. Il est à terre. Ouais. Il est touché. Je lui ai collé, t'es sérieux? Bah, sur nous, les gars. Il monte en hauteur, Et ça fonctionne très très bien. Tiens, on dirait qu'Apache était encore au goulag. C'est l'heure, soldat. Pas de pitié. Un truc à faire, Armin. Je crois qu'on ne se lassera jamais de ce move. Du côté de Papaye, ça tente des tirs à l'arbalète. Ça saute là-bas, là. Ouh là là. Ouh, faites-moi un clip, chat, s'il vous plaît. Un carreau parfaitement calculé, GG à lui. On reste sur Ashik Island, mais on va faire un tour du côté de la Réunion, et ça va faire très très mal. Reconnaissance en cours. Comme par hasard. Quatre jolies balles au MCPR qui font bien plaisir. On retourne voir Apache et cette fois-ci, il n'était pas au goulag. Je suis de retour. Je vais vous demander. Voilà, là. Mais c'est un script, gros. La tête d'homme, c'est un script. Allez hop, ça dégage. Et enfin, on termine avec TV l'unique qui va nous proposer une fin de game bien tendue comme on les aime. Il m'a mis à terre, il m'a renvoyé vers le truc. Faut tout sortir dans le truc. Ok, ouais, ping. Ah. Il en reste un. J'ai confiance en toi, moi. Moi, je sais ce qu'on va le faire. C'est un contre un. Oh là. J'entends tousser, wesh. Je l'entends tousser comme si t'étais derrière moi. Pour moi, ok, ouais. Mais... Ouais, il est sur la gauche. Ouais. Il est où? Il est sur la gauche. Ouais.
Il est cul, il va devoir remonter. Ouais, je pense, ouais. Oh, pas dit. Bah, si, frérot. T'es obligé de remonter, gros. Tu veux qu'il sort comment de l'eau? Ouais, il peut rien. Là, il va rien dans l'eau. Il est là. Yes. Voilà. Y'a pas de gars. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Et on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Warzone France. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde.